Bonjour à tous. 17 jours après, eh bien, malheureusement, rien n'a bougé. La cellule de recrutement olympienne Andoni Zubizarreta en tête s'active, sûrement dans l'ombre, on l'espère en tout cas. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire un point, comme désormais chaque semaine. À mes côtés, Fabrice Lamperti. Fabrice, bonjour. Salut Laurie. Tout va bien? Ouais, ça va, pas mal. Malgré la chaleur. Malgré la chaleur, hein, et ce calme presque plat du côté du mercato olympien, j'ai envie de vous demander, première question, est-ce que c'est bon signe ou carrément pas? C'est jamais bon signe, hein, après autant de temps que depuis le départ du mercato, c'est vrai que les premières questions, les premières interrogations arrivent, ce qui est logique quelque part, mais on peut se rassurer, on se rassure un peu comme on peut, j'ai envie de dire, parce que ça bouge pas beaucoup ailleurs. Même si Monaco est en train de lancer des offensives, même si Lyon a un petit peu recruté, mais ce n'est pas non plus la folie jusqu'à présent. Les grands clubs anglais tardent à lancer les assauts. Et puis après, on le sait, souvent, c'est ce qu'on appelle une espèce de déferlante. Hein, et après, ça va d'un club à l'autre. Et les clubs peuvent lancer vraiment leur marché. Or, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est très calme de partout. Bon, on se réconforte avec les rumeurs, hein, les bruits qui courent. Et donc, dernièrement, on a entendu le nom de Patrick Schick, l'international attaquant tchèque de la Roma. Alors, est-ce que c'est crédible et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui? Oui, c'est crédible, bien sûr. C'est une piste qui n'est pas nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Elle avait été activée déjà il y a 2 ans. Le joueur était alors à la Sampdoria, il n'était pas encore à la Roma. Depuis, il a été transféré à la Roma. Il y a eu un transfert très élevé, estimé à une quarantaine de millions d'euros. Or, Patrick Schick, ça ne se passe pas très bien pour lui à la Roma. Il a envie de partir, il a envie de changer d'air. Et l'OM a pris la température auprès du joueur. Rudy Garcia était encore là quand les premiers contacts ont été amorcés en cette intersaison. Depuis, Andoni Zubizarreta et la cellule de recrutement ont maintenu le contact. Mais voilà, c'est un dossier qui est compliqué parce que le joueur est cher, parce que le Milan AC s'intéresse également à lui. Et voilà, si l'OM a un coup à jouer sur le dossier Patrick Schick, ce serait plus via un prêt. Mais en début de marché, c'est vrai que les prêts ne sont pas la norme. Et si ce dossier doit se décanter, ce sera plus tard. Mais peut-être qu'il sera passé beaucoup de choses entre-temps. Alors on sait que les finances olympiennes ne sont pas au beau fixe. On se doute qu'il va y en avoir des départs. Le joueur qui a peut-être aujourd'hui la plus grosse valeur marchande, c'est Florian Thauvin. Est-ce qu'on se dirige aujourd'hui vers un départ de l'international français ou pas? Non, pas encore. C'est beaucoup trop tôt pour plein de raisons. Et la principale, c'est que Florian Thauvin veut partir pour un gros club, pour ce que lui estime être un gros club, top 10, top 15 européen. Aujourd'hui, aucun de ces clubs n'est là. Peut-être que quand le marché démarrera, l'un de ces clubs-là viendra taper à la porte, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et ça bouge plus autour de Morgan Sanson, de Lucas Ocampos, par exemple, que dans Florian Thauvin. On l'a reprise, c'est ce lundi, le 1er juillet. Quel effectif est-ce qu'on verra à l'entraînement? Est-ce qu'il y aura des jeunes du centre? Oui, il devrait y avoir à peu près une dizaine de joueurs du centre. Ce qu'on sait, c'est que André Villas-Boas a beaucoup regardé les vidéos des jeunes joueurs pour se faire une idée des particularités des uns et des autres. Donc, il va y avoir une dizaine à peu près de joueurs qui seront convoqués lundi pour la reprise de l'entraînement. Il n'y aura pas les internationaux, évidemment, qui eux ont droit à un petit rap de vacances supplémentaires. Et donc, parmi ces jeunes, on va retrouver les néo-pros. Alexandre Philipponeau qui a signé son premier contrat pro il y a de cela 2 mois, Marley Yaké qui a signé son premier contrat pro, Amadou Dia, et aussi la grande promesse du centre de formation de l'OM, hein, Isaac Liadji, qui attend toujours des nouvelles de l'OM pour signer éventuellement son premier contrat professionnel. Ça va être un dossier central, un dossier majeur aussi pour l'Olympique de Marseille, sans doute dans les semaines qui viennent, puisque là aujourd'hui les priorités sont clairement celles du mercato qui tarde à démarrer. Eh bien, merci quand même, Fabrice, pour toutes ces infos. On espère effectivement que le mois de juillet sera plus mouvementé. On en parle la semaine prochaine. Merci, Fabrice, et à très vite. Salut.